allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai été contactée la semaine dernière, enfin il y a bien 15 jours maintenant, par une box qui est la box que j'adore, donc une box parisienne, pour vous présenter cette box parce qu'ils avaient été bien intéressés par ma chaîne et par ce que je faisais et par mon avis qui était toujours sincère. Donc voilà, je voulais vous en parler et cette box que j'adore, franchement, je l'avais déjà vue sur la chaîne de Daisy. Franchement je l'avais trouvé génial, donc je voulais avoir mon propre avis, donc j'ai accepté bien entendu. Donc je vous présente la box, elle se présente comme ceci. Donc déjà moi qui suis une fan de boîtes, j'adore cette box, elle est trop belle, regardez-moi ça comment elle est belle. Elle est jolie hein, c'est super joli, vous avez, je crois que c'est Montmartre là, non pas Montmartre. Oh merde, comment elle s'appelle cette basilique? Enfin bref, vous le Sacré-Cœur, voilà, vous avez le Sacré-Cœur, il me semble, la Parisienne et puis la petite Tour Eiffel avec box que j'adore. Franchement, je la trouve trop jolie, elle est vraiment trop belle. En dessous, elle est un peu prune, bordeaux prune. La boîte est très jolie, franchement, elle est un peu, le papier est un peu gaufré, enfin, je sais pas si vous pouvez voir, vous, mais le papier n'est pas un papier lisse et franchement, la box, elle est trop jolie. Alors, pour vous donner un petit peu d'informations sur la box que j'adore, donc c'est une box qui est, qu'on reçoit tous les 2 mois. Donc je trouve ça sympa parce que c'est pas tous les mois. Vous avez un minimum de 6 produits par box. Je lis sur mon téléphone pour pas vous dire de bêtises. Hein. Voilà. Qui sont destinés à faire profiter toutes les Françaises du meilleur des tendances parisiennes. Donc ça c'est cool. Et on a le choix entre 2 options pour l'abonnement. Donc l'abonnement reconductible automatiquement tous les 2 mois. Où la box vous coûte 24,99€ il me semble. Et 24,90€. Ou alors un abonnement de 3 ou 6 mois. Non, de 3 box ou 6 box. Donc de 6 mois ou 1 an. Et là, les 3 box, donc les 6 mois sont à 72,70€. Ou les 6 box, donc 1 an à 139,90€. Voilà, et ça c'est sans reconduction automatique, alors que quand vous prenez l'abonnement tous les mois, c'est en reconduction automatique. Voilà un petit peu pour ce que vous pouvez savoir de cette box. Le site est très bien fait, j'aime beaucoup le site avec, je vais vous montrer rapidement, tout en haut vous avez une petite vue de Paris comme ça, enfin voilà. Je le trouve très très joli, franchement je trouve ça très sympa. Sinon... l'esprit parisien selon que j'adore, c'est une volonté de mettre en avant les entreprises françaises, donc ça je trouve ça hyper cool, une démarche éco-responsable, une curiosité culturelle, un goût pour les produits rares, un faible pour le vintage, une attention particulière pour la qualité des produits et bien sûr un grain de folie. Donc voilà, je trouve ça franchement très très bien, j'avais franchement adhéré au concept de cette box et c'est pour ça que je voulais c'est pour ça donc que je voulais vous en parler. Donc on va tout de suite, oula, les cheveux sont en live, on va tout de suite ouvrir cette box ensemble et voir ce qu'elle contient. Alors, quand on ouvre cette box, elle se présente comme ceci. Donc c'est plutôt joli. Vous avez une petite carte tout simplement qui se présente comme ça, qui est très jolie, bien pratique parce qu'on peut l'envoyer, je trouve ça sympa. Et il nous parle du musée de la vie romantique. Voilà, donc c'est pour savoir qu'il y a le musée de la vie romantique à Paris. Ça, je trouve ça cool. Ensuite, vous avez le petit menu, enfin le petit livre qui est très joli également. Et d'ailleurs, si on l'ouvre, vous avez le petit monsieur et la petite madame voilà, qui prennent un café dans les rues de Paris. Alors, donc là, première vue, c'est la box de février. Donc la box que j'adore, romantique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ils disent qu'ils nous ont concocté un programme aux petits oignons pour nous faire toutes belles, mais aussi partager avec notre moitié les moments de détente solove. Ok. Il y a une citation de Charles Maurras qui est « Aimer l'amour, c'est s'aimer soi ». Et ça, c'est pas faux. Il faut s'aimer pour savoir aimer, je pense. Donc voilà. Alors, c'est vraiment, les illustrations à l'intérieur sont vraiment très jolies et... c'est limite si j'ai pas envie de les mettre sous cadre. Donc là, c'est les produits, je vais pas me spoiler. Et à la fin, vous avez des petits tutos avec des petites cartes, pareil, qu'on va pouvoir mettre sous cadre, c'est très joli. Vous avez la queue de cheval fleur bleue, un cœur en origami, c'est tout sympa. Un apéro coup de foudre, cocktail qui donne des ailes et un dessert torride fondu qui fait fondre. Ouais, c'est tout mignon. Franchement, il est sympa ce menu. Alors, on va ouvrir la boîte et on y va tout de suite. Alors, hop, on y va. Alors, quand j'ouvre, ça se présente comme ça. Donc, il y a plein de chouin-chouin là, des petits trucs en carton. Donc,
Le premier produit que je retire, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Jamal Paris. C'est une crème éclaircissante aux 7 plantes des Alpes, sans graisse animale, et c'est bio et c'est made in France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? La crème visage éclat aux 7 plantes des Alpes unifie le teint grâce à son complexe correcteur végétal. Les 7 plantes venues des Alpes, la grande mauve, la menthe poivrée, la prime vert, l'alchimie, la véronique, la mélisse et l'achillée millefeuille renforcent par l'alchimie aux propriétés reconnues éclaircissantes, rendent votre peau éclatante jour après jour. Le teint devient plus uniforme et lumineux. Bah écoutez, donc en plus il y a du beurre de karité, de la cire d'abeille et de l'aloe vera pour nourrir et régénérer et ressourcer la peau. Ils disent que c'est appliqué matin et soir. Ben, ça m'a l'air plutôt pas mal ce petit truc. Alors, est-ce que dans le menu il parle d'un prix? Je vais regarder où. Oui. Alors, ce petit produit fait quand même 28,90€. Donc rien qu'avec ça, vous avez la box qui est remboursée. Plutôt sympa. Alors je vais. Ah d'accord. Donc en fait, c'est un bouchon, vous savez, comme ça là. Je vais tester quand même parce que j'aime bien sentir un petit peu les odeurs. D'accord, donc en fait, ouais, il y a toujours un petit peu. Faut toujours prévoir qu'il y en a un peu qui ressort, quoi. Elle est pas épaisse, mais par contre, elle pénètre difficilement. Ouais, l'odeur, c'est pas trop mon truc quand même. Ça sent vachement la plante. Et c'est vachement. Comment on dit? Oui, il y a le beurre de karité dedans. Donc en fait, c'est vachement gras. Et je sais pas si ça va m'aller pour ma peau. Mais enfin bref, je verrai. Ensuite, le deuxième produit que je tire, c'est ceci. Donc c'est de la marque Panier d'essence en Provence. Donc c'est du Made in France encore. C'est le baume lèvre de miel à l'extrait de miel. Miel biologique de Provence. Donc c'est un baume à lèvres. Panier d'essence. Donc voilà. Moi je suis pas une grande fan des baumes à lèvres. Hein. Je vais juste... Ouais, et en plus au miel, je suis pas trop fan. Donc ça, je vais pas l'ouvrir. Et ça, ça vaut 7,50€. Voilà, ça, je vais le laisser de côté. Vous saurez pourquoi après. Ensuite, nous retrouvons ceci. Et alors là, je suis trop folle. C'est de la marque Plantes et Parfums Provence. C'est une eau de toilette à la verveine. Et c'est un 100ml. Et c'est toujours du Made in France. Vous savez que j'adore l'odeur de la verveine. Et là, il faut que je sente tout de suite. Donc voilà. Ah, ça sent trop bon la verveine. Ah, j'adore. J'adore l'odeur. Ça sent trop bon. Franchement, très sympa. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent vraiment la verveine, vous savez, un peu citronnée là, qui est vraiment très sympa. Alors, ça, ça vaut 12,95€. Voilà. Très sympa. Franchement, si vous aimez la verveine et que vous ne la connaissez pas, essayez-la. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, je retire ceci. Oh, il est tout sale avec les couches là. Donc c'est un vernis de la marque MGC Professionnel et Urban Nail. La gamme Urban Nail je pense. Et c'est la teinte Bachelorette. Donc c'est un très joli vernis rose qui est bourré de paillettes argentées. Ouais, argentées. Je sais pas si vous allez voir. Faites pas gaffe à mes ongles, il faut que je les refasse. C'est la cata. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Si vous voyez peut-être un petit peu. Il est très joli, c'est un très beau vernis rose. Au niveau du pinceau... On a un pinceau basique, voilà, un pinceau basique. Ah, il sent le vernis, mais... Ouais, si, ça sent le vernis. Il a une petite odeur un peu différente qu'un vernis traditionnel, je trouve. Donc, est-ce que c'est du Made in France aussi, ça? Made in France également, c'est écrit dessus. Et c'est un 11ml. Et donc ça, ça vaut 4,90€. Je connais pas du tout cette marque. Pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi, mais moi, je connais pas du tout cette marque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dans cette box? Alors, je retrouve ceci, un tout petit pochon. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. Donc, c'est un miroir de sac, en fait, et il est comme ceci. Il est très joli, regardez, avec la petite dame et la petite tour Eiffel. Il est plutôt joli, donc c'est un miroir. Voilà. Plutôt sympa, dans son petit pochon et tout, à glisser dans le sac à main, je trouve ça sympa. Ouais. Plutôt sympa. Donc ça, c'est un miroir de EM Création, donc toujours du Made in France. Ils disent que la marque EM Création propose toutes sortes de bijoux, d'objets, et pas de bijoux, d'objets et gadgets divers et variés, personnalisables pour certains d'entre eux. Voilà.
et que l'illustration a l'esprit romantique d'Alaxel. Donc là, l'illustration est d'Alaxel. Donc voilà, 3,99 € pour ce petit miroir. J'irai voir un petit peu ce que la marque propose parce que je trouve ça assez sympa. Ensuite, à première vue, nous avons plus qu'une seule chose qui se glisse au fond. Qui est tout dégueulasse. Merci les scrunch crunch. Et c'est ceci, et là je suis hyper 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 contente, c'est le bouquin de, attendez, que je vous dise pas de conneries, c'est les bouquins, ça fait partie des bouquins de chez Marabout qui s'appellent Les Paresseuses, et là c'est le cahier tuto beauté des paresseuses, donc maquillage, coiffure, soins et l'art, 80 tutos, pour savoir des secrets de pro. Donc moi je suis contente parce que j'adore ce bouquin, je l'ai, et ben, je trouve que ce bouquin pourra être une très bonne très bonne très bonne idée pour le concours des 10 000 abonnés qui devrait approcher incessamment sous peu parce que ça n'arrête pas de monter. Donc voilà, ce bouquin sera pour vous d'ici quelques temps avec le baume à lèvres. Vous retrouverez tous ces petits cadeaux dans mon concours des 10 000 abonnés et je pense que le petit vernis à ongles sera pour vous aussi parce que moi je me sers plus trop des vernis à ongles. Donc voilà, franchement, hyper hyper contente. Franchement, ce bouquin, si vous le connaissez pas, il est juste génial. Donc c'est un bouquin qui vaut 7,99 €, donc c'est pas très très cher. Et franchement, les petits bouquins comme ça, les paresseuses de la marque Marabout, ils sont vraiment vraiment bien. Donc voilà, très très bien. Je vous montre un petit peu l'intérieur. En make-up, on va prendre un make-up par exemple, il nous montre comment faire une jolie bouche. Donc tout est vraiment bien foutu avec des petits dessins, des petites explications, etc. Donc franchement j'aime beaucoup et les explications sont vraiment très bien, même si vous avez une ado et que vous voulez lui offrir pour qu'elle apprenne à se maquiller, je le trouve très très bien fait. Donc voilà, cette box est finie. Il me semble que cette box est finie. Oui, voilà, cette box est finie. Mais écoutez, personnellement, je trouve qu'elle n'a pas vraiment un thème Saint-Valentin, vraiment pour parler Saint-Valentin même. Par contre, je la trouve vraiment très bien parce que si vous aimez les produits Made in France, franchement, vous aimerez cette box. Le petit bouquin, je l'adore, je le trouve vraiment très bien. Le parfum à la verveine, il sent très très bon, donc ça, pas de souci. Le petit miroir, il est très joli, donc j'aime bien. Ça, je verrai bien avec l'odeur et par rapport... Mais l'odeur s'en va très vite en fait. Ça sent déjà plus. Donc voilà, je verrai bien, je testerai. Le petit baume à lèvres, je ne suis pas fan des baumes à lèvres et en plus du miel, non. Donc, mais c'est une très très bonne idée, je trouve. Et puis, le petit vernis rouge, je le trouve plutôt pas mal. Il est joli, même si moi, je ne mets plus de vernis. Mais en attendant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vérifie qu'il n'y ait plus rien là-dedans, mais normalement, non. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire un petit calcul rapide. Pour voir un petit peu... 2 € à peu près dans cette box, alors, environ. Voilà. Donc, une box où vous payez 24,90 € et qui a des produits à peu près pour 66 €, une soixantaine d'euros dedans. Moi, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça très, très bien. En plus, vous allez peut-être me dire que cette box est un petit peu chère, 24,90 €. Mais comme elle est toutes les 2 mois, si on reporte à... À 1 mois, ça fait 12,45 € par mois. Et moi, je trouve pas ça cher pour une box. Ça équivaut au Beurre Box ou aux autres box. Et avoir des produits tous les 2 mois, c'est peut-être pas plus mal que tous les mois. Parce que ça nous permet de bien tester les produits, je trouve. Donc voilà, moi, je suis assez contente. Dites-moi tout ce que vous... Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je remercie beaucoup... La box que j'adore, de m'avoir fait confiance. Franchement, je suis hyper hyper fan de cette box et je pense que je serai amenée à m'en recommander d'autres, c'est certain. Je l'aime beaucoup beaucoup et j'adore. Franchement, hyper hyper contente. Voilà voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut salut.